goûte au moins. Même tu vas pas manger, goûte au moins. Voilà. Comme ça, avec plaisir. On n'a pas battu. Goûte au moins. C'est tellement bien fait. Non, je ne goûte pas. Je tourne le couteau, si le piment est d'un côté, ça te mélange. Tu ne goûtes pas, je ne mange pas ce repas. Toi, mange. C'est un problème. Attendez. Toi, mange. Ça, on va me lâcher, mange, mange. Là, vous dites que mon estomac est comme ça. Depuis qu'on a demandé, depuis qu'on demande qu'ils s'habillent vite, ils ont là un train, un train. Ah, mais donc, tu sais que le problème des femmes, ils s'habillent, il faut mettre les chaussures, il faut regarder comme ceci, si je sais bien, pour comment. Mais enfin, là, je sais, hein. Pardon, dis-leur, dis-leur que. Ah, pourquoi tu l'as dit? Vous faites avant de vous. Si, les autres sont. Vous savez qu'on va chercher à l'aéroport, non? Oui. Ok. Vous savez très bien qu'on va chercher, non? Oui, oui. Tu sais que le premier agent qu'elle a envoyé pour acheter le terrain, c'est à toi qu'elle a donné, non? Bien sûr. Tu es allé voir la nomme, la maille, c'est fini. C'est fini. Tu es rentré, non? Maintenant, voici. Bravo. Le deuxième agent pour la fondation, c'est à toi qu'elle a donné, non? Oui, mais j'ai trouvé l'argent dans mon compte. Tu as trouvé l'argent dans ton compte? Oui, et puis j'ai retiré et je vous ai amené à Kribi pour jouer la vie. Attends, mais papa. Si ça dit que c'est tu as une tontine et tu les as amenés à Kribi pour jouer la vie. Oui, je me rappelle, c'est ce qu'il avait dit. C'est ce que j'avais dit. Donc c'est la rente de ma crise. L'argent qu'on était parti à Kribi, c'était la rente de ma crise là. Non, c'est l'argent que j'ai trouvé dans mon compte. Et j'ai retiré. Non, tu m'as dit que c'était que si tu as bouffé une tontine. Attends. Comment est-ce que tu peux trouver l'argent? Tu sais pas où ça sort. Voilà. Tu prends, tu gaspilles. Ha! Comment tu peux trouver l'argent? Même si c'est l'argent de la sorcellerie, c'est que tu as déjà utilisé comme ça. Je dis, attendez. Non. Ok. Maintenant que tout ceci arrive, elle a repris. Qu'est-ce qu'on doit faire? On peut trouver plusieurs solutions. Laquelle alors? On peut montrer un mauvais chantier. Il y a des chantiers ici en ville. Le homme qui va monter le faux chantier là, c'est qui? Voilà. Ceux qui ont mangé l'argent ou les qui? Parce que moi, l'argent que j'ai pris pour utiliser, c'est encore là, c'est encore au frais. Le genre que si c'est la brigade qui débarque ici, moi je peux remettre. Je ne peux pas pitié de vous dessus. Qui a la tête? Donc c'est parce que je suis à la tête que vous vous contentez de ce que vous avez fait. Le vieux. Le vieux. Écoutez-moi. Tout le schéma que vous faites là, toi tu as mangé, toi tu as mangé, je sais pas si quelqu'un d'autre a mangé, moi je n'ai rien mangé, donc ainsi que Écoutez, chaque problème a une solution. Oui. Bon, dès qu'elle va venir, je veux savoir comment on va le faire. Ici, je connais comment. Tu es le douanier ici. Voilà. Ok. Il y a plein de chantiers. Toi, le vieux colonier. Il y a plein de chantiers ici. Tu connais pas le moi, je connais comment. Moi, je veux le. Grand-père. L'embrouiller. Est-ce que vous vous inquiétez même pourquoi? Est-ce que quand Tata Marc-Christ vient souvent, elle met souvent long ici? Elle peut peut-être venir pour un mois. Même si elle vient pour un jour, une personne qui a envoyé l'argent quelque part pour un investissement, elle ne va pas rechercher à regarder. Elle va chercher à voir. Elle veut savoir comment. Elle serait même contente. Il est déjà On est en retard. Pardon, allons-y.
Je vais l'embrouiller. En tout cas, ça vous regarde. Pas cette fois-ci. Bon, voilà, mais ça. Tu vas l'embrouiller. Bon. Non, il n'y a même pas ma mère, j'en l'ai. Oh, mais laisse tranquille, pardon. Ouais, il sent que ça va cuire. Bon. Bien, Marcus, bienvenue au pays. D'accord. Nous sommes très contents de te recevoir. C'est pour ça que nous, on est réunis pour t'accueillir. Oh là là! Alors, de ce fait, levons nos verres et de santé! 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 Voilà. Voilà ma crise. On va faire. C'est pas ce que je veux dire. C'est. J'espère que. C'est pour moi, je n'ai même plus rien. Je vais tout dépenser. C'est la vie, en fait, je n'ai même plus rien. Bon, mais quand ça ne tient pas, Je suis un vieux clou. Je veux la convaincre. Tu comprends? Allons. Merci. Bon, j'ai réfléchi. Avant de partir, tu vas me laisser même 500 euros. Alors? Maman, il dit comme ça, là, si tu le donnes les 500 euros, là, c'est pour aller manger avec les femmes. Mais sans travailler ici au pays, tu n'as que chercher les femmes chaque jour. C'est ton problème? Mais c'est normal, c'est un garçon qui doit chercher les femmes. Ah. Il doit chercher les hommes. Il doit laisser les femmes pour chercher les hommes. Yolanda. Les deux complices. Les deux complices. Toujours. Ça continue. Bon, Caprice, tu diriges le repas après le service. Quand vous êtes parti faire votre comité de sage là-bas, donc vous n'avez pas arrêté. Et maintenant, tu veux demander de diriger le repas. Inquiète-toi aussi. Vas-y. Paloma, la dernière fois, ici, quand il y avait une réunion, ici, là, c'est Daniel qui a géré. Aujourd'hui, là, c'est toi. Il n'y a pas de soucis. La petite Daniel. Allez, oui, tu gardes bien ta perruque, si. C'est toujours bien, non? Oh là là. Si tu envoies encore la perruque à Daniel, si tu envoies à quelqu'un d'autre, elle ne va pas faire tout ça. Attends, ici, avec le bien, d'accord. C'est normal! Adèle! Ok. C'est normal. Vous savez, dans une famille, il y a toujours une personne, que ce soit la petite fille, qui peut la garder aussi. On est là, on parle. Voilà Marcus qui est venu. On est assis avec elle.
Elle nous regarde. On la regarde. Personne ne dit rien. Je dis personne ne dit rien. Les deux vieux colons là, ils ont mangé l'argent. Elle envoie l'argent, ils ont mangé. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire maintenant, Marcus. Que la maison est ouée. Moi, sans te mentir, là où je suis là, je n'ai participé en rien. Donc moi aussi, je regarde seulement. Je veux voir la fin de ce film là. En tout cas, si ça pète, je dis-moi la vérité. Hey, Adèle. Non, je dis-moi la vérité. Adèle, tu ne peux pas faire ça, je maman. Je suis pas d'accord dans dans l'un milieu. Non. Si ça pète, je dis-moi la vérité. Je suis pas d'accord avec ça. Adèle, le dehors est mauvais. Tu ne peux pas une fois livrer toute ta famille comme ça. Hein? C'est pas une petite affaire. Et si tu dis maintenant que nous, ils ont mangé la jambe, ça va devenir ton problème. Le poison est dehors. Maman, pardon, évite ça. On entre seulement, on s'assoit, on regarde, on écoute, ça va se passer. Hé hey, maman, c'est pas ça. Ok. Hmm. On va aller regarder ça. Hey. Maman, c'est toi qui sers le porc à papa Jacob et à papa Yéli. C'est toi qui le sers encore le porc. La dernière fois, on a passé la nuit à l'hôpital avec papa Jacob parce que le porc a de l'allergie. Ouais, j'avais oublié que papa Jacob ne mange pas le porc. Désolé vraiment. Mieux regarde, directement récupéré. Envoie ça ici. Même papa Yéli ne mange pas le porc. Tu veux pas le porc? Oh, père ici. Dis-moi maintenant. Qu'est-ce qui t'amuse? C'est ma présence? Ça! Et où que vous continuez à répondre de ma vie? C'est l'émotion, c'est l'émotion. Même pour dire ici. Même pour t'appeler ici. Tu peux apporter, tu peux servir la panne malade que j'ai fait là-bas pour eux deux, exceptionnellement. Tu connais que ça se passe comme ça ici. Voilà. Oh. Le père s'est dit. Ah ouais, pour la santé de Max. À force de fourchette. Mmh. Marie, fais ton goût. On a préparé ça spécialement pour toi. Regarde, mes hommes sont même arrachés. Je vais te faire la cuisine. Ouais. Assia. On parle des futures femmes au foyer, on ne parle pas de Paloma. Elle vient d'abord avec la nourriture, après elle vient avec l'eau, après elle vient avec la fourchette. Oui, laissez Paloma comme ça. Hey, maman, tu yeah. Parler comme ça, non? Caprice. Ah. La moins chère, c'est comme ça qu'on crie sur elle chaque fois. Ouais, ma soeur, laisse. Parlons, non, c'est mal la fourchette. Non, la bonne, non, la fourchette. Vous ne voulez pas la fourchette, c'est pas que vous fassiez. Voilà, c'est bon. Non, Rodica. Bon, voilà, c'est moi qui commence maintenant. On fait la prière, pardon. Ah, d'accord, prière. C'est ça, maman. Oui. Aussi, n'oubliez pas que je souhaite la bienvenue. On va souhaiter la bienvenue combien de fois, Paloma. Mais donne-nous en présent du Seigneur. Paloma est où? Et dès que tu vas trouver le ciel fermé, non, Paloma. Je ne peux même pas, Marie, il ne va jamais trouver le ciel fermé. On y va. Oui. Dieu éternel et tout puissant, Seigneur, trois fois saint. Papa, merci pour ce moment précis. Merci d'avoir permis que notre maman arrive ici dans de bonnes conditions. Merci d'avoir été au contrôle. Papa, pour ce repas que nous allons apporter pour elle et pour nous autres, bénis ce repas, bénis les poches qui ont cuisiné, les mains qui ont préparé. Et s'il te plaît, pense à tout ce qui n'a rien. Amen. Caprice, moi j'ai passé que ça, c'est quelle bénédiction. Tu devais même être pasteur. Voilà. On dit que la nourriture, je te la ramène. Bon appétit à tous. Bon appétit. Bon appétit. Parce que c'est à ma piste. Enfin, Odile, mets ton plat. Mets ton plat. Après, tu es le grand fouet. Ah, comment? Voilà ça qui commence comme ça, non? Bien. Marcus, tu vois, c'est quand la mère est là qu'on me respecte. Bon, ah bon, mais. C'est quand la maman, c'est comme tu es là qu'on me respecte comme ça. Hein. Merci. Ah, la prochaine fois, tu verras encore. Bon, vraiment, merci pour tous ces honneurs. Voilà. Pour mon bongo qu'on a préparé, mais.
je vais d'abord couvrir ça. Je pourrai manger ça après parce que j'ai passé la commande des légumes dans un restaurant de la place. On va porter ça demain à un autre. Yeah. Ah. Yeah. Non, tu es sérieuse là. Tu es sérieuse que je me suis levée le matin sous la pluie, aller faire le marché sous la pluie, venir parler, m'a préparé sous la pluie. Le moment de manger, tu dis que tu as passé la commande au restaurant. Toi, Tata, pourquoi tu fais ça non? Attends, j'ai dit que je vais manger ça après. Pour le moment, c'est les légumes que je veux manger. Pourquoi? Non, non, tu ne m'as pas dit que c'est les légumes que tu veux manger. Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Non, ma. Mais comment tu peux dire ça, Tata? Bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, qui est maman Chris? Ah, c'est moi. Voici votre petit. Ah, le restaurant. Ok, super. Ma, c'est lui que tu as commandé la nourriture en arrivant ici. Ah! Paloma ou Daniel, une personne a mieux cherché une fourchette. Tu vois? Oh, mets tes fesses là-bas. Après, c'est quoi? C'est le quoi, coucou? C'est quoi ça? C'est le quoi, coucou? Vous le bien manger le bongo? Mais arrêtez un peu ça. Ah non, laissez-la tranquille. Tu sais pas mal le bongo, fais mal le bongo, laissez-la manger le bongo. C'est obligé. Pourquoi que c'est pour vous poser que le bongo est sur vous? Si elle ne mange pas le bongo, c'est qu'elle ne mange pas le bongo. Pourquoi que c'est pour vous poser que le bongo est sur vous? Pourquoi que c'est pour la fait ça? Elle mange ce qu'elle veut. Tu as vu quand le chien est à la cuisine avec la pluie. Pour le bongo, mais elle est obligée. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Eh, bon, bien, là, c'est ça pour ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez, 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 ne vous enflammez pas n'importe comment. Ça fait longtemps que Marquise n'est pas parmi nous. Comment se fait-il que nous, on prépare Camerounais? Camerounais. Ah, je veux même manger la banane malassée, ça là. On a fait l'honneur de préparer le bon goût. Le goût. Caprice n'a pas dormi depuis hier. Merde. Et le couscous, c'est quoi? Bah, Yako, arrête ça. Arrête-moi ça, vieux père. Ça, c'est français. Si c'est poussé, ça, on que tu parles. Les légumes, c'est français. Si c'est parce que tu vas demander, c'est ça, on que tu parles comme ça. Arrête ça, les légumes. Ma mère, mange tes légumes. Qui a préparé? C'est pas un camerounais. C'est quoi ça? Qui a préparé ça? Qui a préparé? Qui a préparé? Tu crois que tu crois la faire à la maison? Donne-nous tes nourritures, elle ne mange pas. C'est son choix. Elle me fait. C'est son choix. Non, je trouve ça. Ça ne fait pas français. Ça, ça fait comme si elle avait un peu la poisonner. Là, ça fait comme ça. Tu me fais comme ça. C'est ça comme la poisonner. Ah bon? Ah bon? On se sert de la tête. Ça sent d'où la manger. Ça sent d'où la poisonner. Arrêtez un peu ça. Hey. Donc, vous utilisez les services traiteurs ici. Oh, arrêtez ça. Papa. Vous avez compris ce que Caprice vient de dire? Je redis en fait ce que je viens de dire. Elle tu continues de manger de mon repas parce que tu as peur que dans ta tête tu te dis qu'on veut t'empoisonner. Elle a dit ça avec raison. C'est ça même. Mais non, une personne. En tout cas, ça sort de ta bouche. C'est ça même. C'est toi qui as parlé. J'assume mes propos. Hein. J'assume mes propos. Pourquoi refuse-t-on de manger? Merci pour que tu manger le bonbon. Merci. Caprice a raison. Alors que nous connaissions que. C'est votre repas préféré. Ça fait quoi? Je te dis le bongo, je te dis que. Ça fait quoi? En quittant pour aller en France, elle nous préparait ça. On mangeait bien, hein. Voilà. Et elle aimait ça. Tout à maintenant, on l'a fait l'honneur, hein, de la recevoir. Même goûter, rien. C'est le. Non. Elle a dit qu'elle va manger après. Mais pour le moment, elle veut manger que les légumes. Laissez-la manger les légumes. Elle pourra manger le bongo après. Mais là, c'est vous qui me faites peur, là. Vraiment. C'est vous qui êtes en train de me faire peur. Vous insistez que je dois goûter. Ceux qui insistent que je dois manger. Mais je suis pas obligée, c'est moi qui ai rationné. Marc, tu me surprends. Hein. Je crois que quand Dieu vous bénit, vous commencez à donner 5 francs. Vous commencez à faire comme si vous ne sortez pas de quelque part avant d'arriver où vous êtes. Tu me surprends. Mange, tu as l'argent aujourd'hui pour commander, non? Hier, avant que tu ne partes ici, ensemble, on partait voler les légumes dans les jambes pour préparer. Aujourd'hui, comme tu as la facilité d'en avoir, tu viens nous narguer. J'ai commandé le légume dans un restaurant. Toi-même, tu as encore parlé à Dro. T'aimes ta gueule. Regarde-moi celui-là. Caprice. Ouais. Je ne sais pas pourquoi tu t'en prends à moi. Vraiment, je ne sais pas. C'est moi qui ai rationné. C'est moi qui aime le bongo. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas manger le bongo, je mange les légumes. Et maintenant, tu parles d'empoisonnement. Ça sort d'où? Tu as une idée pour m'empoisonner? Laissons les discours que nous faisons. Nous sommes tellement heureux de te recevoir ici aujourd'hui. Goûte au moins. Même si tu ne vas pas manger, goûte au moins. Voilà. Comment ça va être plaisir? Vivi,
Ah, n'a pas passé. Écoute au moins. C'est tellement bien fait. Non. Écoute au moins. Je ne goûte pas. Je tourne le cœur. Hein, si le piment est d'un côté, ça te mélange. Je ne goûte pas. Je ne mange pas ce repas. Toi, mange. C'est un problème. Attendez. Hein? Toi, mange. Ça, on me l'a chassé. Il mange. Vous que mon estomac est comme ça. Mais goûte alors. Attends. J'ai appris ça pour aller goûter l'autre. Caprice, ne t'ennuie pas. Si le porc ne me dérange pas au ventre, c'est que moi, je prends le plan à manger. Comment? De toutes les façons. Oh, vous me fatiguez. Écoutez, vous êtes ici, dans ma maison. D'accord. Finissez de manger, vous me rendez compte de tous les argents que j'ai envoyés. D'accord. Voilà. Comment te rendre compte? Oui. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Voilà.